Coucou les fanzinotes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve enfin pour une vidéo après beaucoup de temps passé sans vidéo, car oui, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital sans arrêt. Il fallait faire des j'ai même dû y rester pendant quasi une semaine et ainsi de suite. Donc première sortie, parce que là je peux commencer à remarcher tout doucement. Donc on se fait plaisir, on fait action et puis on rattrape un peu de sourire. Allez. Donc, ceux qui me suivent savent que j'ai trouvé tous les Paint by Number et qu'il me manquait le lion. Et bien, le voilà. On pourra faire encore un troisième supplémentaire de ce. On a encore celui-là, la tortue et le zèbre à faire. Donc j'avais fait le hibou et dans le temps avec une autre collection j'avais fait le chien. Voilà. Donc 2,89. Franchement ça va nickel, c'est super cher. De je sais plus, Ravensburger, je crois que c'est la marque. Qui est en comme à Pickwick, enfin maintenant c'est Smith Toys, ainsi de suite. Et c'est super cher, on atteint quasiment les 20 balles, voire plus. Et là, 2,89. Après, je trouve ça joli en plus avec les couleurs néon. Donc voilà, bon après, il faut aimer bien sûr la couleur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Eh ben, on a un problème de mouche. Mais les petites tapettes étaient trop petites. Donc là, on a les big tapettes à frelons. Avec manches qui se déploient. Comme ça, on se fait pas piquer. Parce que oui, en plus, on a des frelons. Et donc, c'est un peu la muerte. Donc, alors, les tapettes, c'est 99 centimes la tapette. Ça va, tranquille. Parce que les autres, c'était par 3. J'en ai une qui est là. J'avais acheté des ceux-là par 3, mais c'est ma dernière rescapée. Donc ça, on va les prendre pour les petits moustiques. Et ça, on va prendre pour les mouches agressives. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé aussi? J'ai trouvé des stickers. Donc des stickers pour pouvoir faire des scraps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un scrap Friends. Ils sont franchement super beaux, hein, les stickers. En plus, pour une fois que je les trouve, c'était toujours vide, vide, vide. Ensuite, ben, ce que j'aime beaucoup, les Harry Potter. Franchement, ils sont jolis. Donc, je vous ferai un scrap. Friends, Harry Potter et Avengers. Parce qu'après, j'avais du Peppa Pig, mais bon, non, j'ai pas... Non, je suis pas arrivée là, quoi. J'ai resté dans des codes. Peppa Pig, non, ça va. Merci. Donc, alors, les stickers. Donc, ils étaient à 69 centimes le paquet. Bon, faut faire un scrap, franchement, ça va, tranquille. J'ai les feutres de scrap aussi, déjà de la fois dernière. Où on peut écrire, je vous avais dit... sur du papier noir et tout. Donc j'ai les couleurs là, les couleurs là. Bon, celui-là c'est un à part que je dois ranger. Donc on pourra faire quelque chose de beau, je pense. On fera ça ensemble, soit je vous le fais en vidéo, soit on fera ça en live. Ensuite, j'ai pris ça pour confectionner certaines choses, mais ça vous verrez à quoi ça sert prochainement, je vous dis pas tout de suite. Donc le fil, le rouleau, je vais vous parler d'abord des rouleaux autocollants, tant qu'on y est dans les autocollants. J'ai pris pour Thibaut des autocollants Spider-Man, bien sûr, hein. On a été voir le film au cinéma, hop, comme ça il pourra se créer son propre scrap à lui. Et donc le rouleau de 3 mètres, et ben 99 centimes, ça va. Donc en fin de compte, voilà, il ouvre là et il tire tout doucement. Et il a l'air d'avoir pas mal de différents stickers. Donc c'est pas mal. J'oublie pas votre rouleau de bazar entre deux. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Alors le fil, ah ouais, fil déco Obis, 1,5 mm sur 5 mètres de longueur.
Donc, celui-là, je l'ai payé 74 centimes. Donc, il y avait ça. Il y avait du noir et il y avait du rose. Mais le rose brillant, là, vous voyez, assez quand même costaud, quoi. Voilà, pas mon rose. Ensuite, nous avons acheté également un gobelet ananas avec une paille. Regardez comment il est trop beau. Parce que ne serait-ce que pour décorer la cuisine, c'est trop mimes. Il est super léger. Et puis bon, bah, je suis rentrée, je le savais déjà où il allait finir. Entre les mains de Thibaut. Parce que Thibaut. C'est pour qui l'ananas? Oui, bah oui. Hein. Pour qui l'ananas? Et puis. Maman, si je te donne 99, tu vas m'en acheter un. C'est bon, maman, elle en a un autre, elle va te le donner, l'ananas. Voilà. Donc, celui-là, 1,99. Et regardez, comme quoi c'est vrai, j'en ai un autre. Voilà. Donc, 650 ml, hein, l'ananas. Et celui-ci, 500 ml. Donc, là, il est en silicone. En plastique, si. Non, non, c'est du plastique. C'est pas du silicone. On dirait vers l'extérieur. Et c'est à visser. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal, vu qu'on prend les bouteilles de 5 litres en attendant de pouvoir réutiliser la Brita lorsque l'eau sera retraitée correctement et qu'il n'y aura plus ce solvant dangereux dedans. Donc, celui-ci, il est à 2,59 €. Voilà. Ensuite, j'ai également acheté un vernis pour mettre sur les toiles pour bien protéger la peinture. Donc, ça, on va se le partager avec Ninon. Et puis, je le mettrai aussi parce que j'ai des nains à faire avec vous en peinture. Donc, j'avais l'intention de les mettre en vernis pour quand ils soient dehors, qu'ils ne prennent pas bah, les intempéries, que la peinture s'en aille pas comme ça. Et donc, le vernis, lui, il était à 1,59 €. Hein. Donc, c'est du vernis acrylique. Brillant. 80 ml. Ensuite. En ce moment, je suis en train de faire de l'art-thérapie sur des grands papiers canson, enfin, différentes sortes de choses que j'essaierai de faire avec vous parce que moi, ça me fait du bien et j'aimerais bien que ben, vous apportez ça aussi. Donc, mes brushes pincettes, là, j'en ai, mais ils commencent à fatiguer. De ce fait, j'ai repris un lot de 8 marqueurs. Donc à 2,29 €. Voilà. Donc ça permet d'utiliser, regardez, les pointes de différentes tailles. Et pour bien combler, moi je prends toujours la grande qui est vers l'extérieur gauche. Voilà. Mon extérieur gauche. Ensuite, j'ai également trouvé un kit d'aquarelle de 13 pièces. Donc à 2,89 € aussi. Donc dedans, vous avez... C'est comme ça. Donc dedans, vous avez, je vous dis, 8 double watercolor markers, un crayon, un taille-crayon, une gomme, un fine liner, donc là c'est pour refaire bien les contours, hein, et une waterbrush, c'est une brosse à eau qui permet de liquéfier les feutres aquarelles qu'on a ici. Donc ça, on tentera ensemble. Donc on est censé faire ça. Et on tentera ça avec tout 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 ceci. Parce que au lieu d'acheter des toiles tout faites, bah, tout faites des toiles, des grandes toiles, vous voyez, ils vendent. Regardez, vous avez les marquages. Vous pouvez prédécouper votre toile. Donc là, ce sont des à fleurs que j'ai prises. Donc, regardez, je vous montre derrière toutes les sortes qu'il y a. Et donc, on pourra le faire avec ces marqueurs aquarelles. Et puis, comme là, par exemple, je pourrais toujours mettre ma petite touche perso. Donc voilà, on verra comment c'est. On verra si c'est agréable de faire ça avec, si il y en a 10 hein, normalement. Et donc comment ça se monte, est-ce que c'est bien? Bon, on fera tout un débrief ensemble et puis voilà. Donc ça, je l'ai payé. Attendez, je vous dis ça et puis je dis pas toc tac.
Alors, où je suis? Kit aquarelle, on l'a bien là. Et ça s'appelle comment? Bah, aquarelle aussi, alors on n'est pas dans la caca. Hein. Alors, je vous cherche ça. Aïe, aïe, papier, aquarelle, toile, 10 pièces pour 2,29 €. Ça va? Quand tu vois le prix des toiles, tu te dis, bon, pour tester, en plus que je ne suis pas une artiste, sans savoir dessiner, c'est déjà dessiné. Tant que je passe du bon temps, moi, ça me convient. Hein. Donc voilà. Et puis pour terminer, j'ai pris une petite toile Diamond Painting Mini. Trop mimes avec ses lunettes cœur et tout. Elle me fait trop, trop délirer. Donc elle est. Donc la taille, c'est. Est-ce qu'ils nous ont mis la taille? Donc ça, c'est pour faire avec les petits là pendant les vacances. C'est génial. Pas avant 3 ans, bah vous savez très bien, c'est toujours pareil. Donc voilà. Et donc Minnie Mouse Strass 1,89 €. Bon, ça va. 1,89 € le diamant pour enfance, je trouve que c'est correct. Voilà. Donc ben je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Passez une agréable soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, des bisous. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu si ça te plaît et à très bientôt.